Hey, c'est le fun de travailler avec eux autres, hein? Ça met de la vie puis du positif dans le bureau. De quoi tu parles? Ils s'engueulent depuis 20 minutes. Cardamone a pris le stationnement de Tourbillon. Il a été obligé de virailler toute la matinée pour se trouver du parking, puis il a manqué son client de Toronto. Puis là, il veut y arracher les yeux. Ah ben, coudonc. Moi, je trouve qu'ils ont toujours l'air contents. Surprise! Ah, tu vas voir, mon ange, j'ai fait un rendez-vous éclair pour qu'on prenne bien soin de toi. Bonjour, rendez-vous de 11h15 pour Bagatelle, c'est ça? Vous êtes avec Mélissa, ça va être pour une épilation intégrale, comme monsieur ici. Ah! Ah oui, donc! Juste une petite trim, là! Hein? Ça va être bon pour notre couple, ou je peux être tannée de ramasser du poil. Mélissa, il est prêt! Bon après-midi, good afternoon. Après les récents événements concernant le ministre de l'Éducation, de qui on remet maintenant en doute l'éducation, il est important pour moi de m'adresser à vous. On s'attend à un comportement exemplaire de la part de nos ministres en chambre. Toutes les chambres, même celle à coucher. C'est pourquoi je me devais aujourd'hui de vous préciser que les événements d'hier n'avaient pas lieu d'être et surtout n'étaient pas approuvés par notre administration. Sachez que nous prenons la situation très au sérieux. Des questions? Oui? Nous ne prendrons finalement aucune question aujourd'hui, ce sera tout, merci. Regarde-moi! Là, capitaine, on commencera pas à chicaner dans tout le monde. On va finir la discussion plus tard. Alors, je nous ai préparé la recette qu'on avait apprise pendant notre voyage en Italie. Et... pour accompagner ça, le petit chien-ci qu'on avait découvert pendant la visite des vignobles. Oh! Oui. Ça va nous rappeler des souvenirs, ça! Oups, excuse-moi. Ouais, c'est la saison ces temps-ci, puis mon chum, il nuit beaucoup. Ah voyons, c'est pas grave pour tout, hein? En chum, on partage tout. Oui. Ah, mon gros loup! Prise 2. Bon appétit! Merci. Ça a l'air bon. Hey! Qu'est-ce que t'as fait? Tu sais, pendant le repas, là, si tu pouvais au moins éviter de me faire honte, j'apprécierais. À moins que ce soit trop te demander, là. Tiens, tu peux essuyer la vaisselle, ça va te faire faire l'exercice.